c'était. Non, 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 non. Vaisseau, vaisseau, vaisseau. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, 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 me mange pas! Me mange pas, pitié! Salut, Emmett. À toi de jouer, Emmett. Hello tout le monde, c'est bon, comment allez-vous? Moi je vais bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Lego la grande aventure. Alors on a pu voir que Emmett est revenu de trou noir tout entier. Et j'ai l'impression qu'une espèce de grosse pieuvre rose géante contrôlait tout. Ah, tu sors de l'asile? Super. Allez, il faut qu'on sorte de ce trou et qu'on arrête leur business. On va devoir traverser le feu. Des pompiers, non? Alors éteins-le. Ah, pourquoi je n'y avais pas pensé? Oh, si, évidemment, mon extincteur est vide. Et l'unique arrivée d'eau est électrifiée. Je m'en occupe. Ok, donc il a découvert que en fait tout ça était contrôlé par un petit garçon qui était en train de jouer. Bon, qui est quasi normal, on va dire qu'il y a, merde, il y a que le petit garçon, enfin il y a que dans le monde réel qu'on joue au Lego. Et du coup il a été renvoyé depuis entre guillemets le trou noir jusque dans son monde à lui. Et c'est à partir de là. Tu vas devenir maître constructeur. Et on assemble le tout. Voilà. Wow! Comment t'as fait ça? Je sais pas vraiment. Oh, tu peux éteindre le feu alors? Bien sûr. Bah, éteins le feu là, t'attends quoi, putain? C'est bon, c'est rechargé. Vite, je dois sauver le monde en mettant un truc sur un machin. Oui, c'est bien fou. Go, go, go. Y'a quelqu'un? C'est quoi ça? Des micromanagers. T'inquiète, je sais comment faire. Hé, hey, on prend la fuite? Je t'en prie, dis-moi que c'est ça. Au secours, on me tire dessus. Les trous et attirer les micromanagers dedans. Je t'ai proposé qu'on s'enfuit, pas vrai? Je pense qu'on devrait vraiment envisager cette option sérieusement. L'avantage immédiat, ce sera de mettre une distance entre ces horribles robots et nous. Allez là, attaque-moi. Merde. Hey, ton plan fonctionne. Joli. Au revoir. Oh, ils avaient réussi à me coincer. Qui dois-je remercier de m'avoir sauvé? Emmett, Gale. On travaille ensemble sur ce chantier. Je le sais, je parlais de lui là. Comment faire tomber un robot volant dans un trou? On peut pas. On pourrait peut-être l'assommer, non? Ok, donc là j'ai la meuf, elle peut sauter plus haut. Je pense que je dois travailler avec elle. Ça, il y avait rien. Il y a rien du tout. Là-haut, maudit robot. Nice. Si tu peux attirer. Cool.
Un incendie. C'est mon rayon. J'ai pris beaucoup d'eau, je crois aussi. Voilà. On a besoin d'eau. Normalement, on peut ouvrir le robinet manuellement. Mais ça, ça marche aussi. Merci. Il faut que je le remplisse et je serai opérationnel. Hop. Ah, ça, ça fait plaisir, toutes les pièces bleues. J'en vais encore limite aller louper les pièces bleues, quoi. Voilà, je vais recharger pour en haut. C'est bon, c'est fait. Faut la meuf. Je vais voir si je peux te trouver une échelle. Par contre, derrière le mur, il y a un truc là, mais je pourrais pas. Non, je pourrais pas. Montez. Reculez. Je m'en occupe. Ah, là, ça fait plaisir quand ça monte comme ça là-bas. Ça fait quoi si j'arrose un robot? Voilà, hop. Ça va tellement plus vite. Dégage. Ouais, y'a que dalle là. Attention à son rayon laser. J'ai une idée.